Le CIRA réunit donc jusqu'à mercredi à Eurexpo les métiers de bouche et parmi ces professionnels présents, il y a Christine. Elle a eu l'idée de créer à Lyon un restaurant sans allergènes. Les allergies alimentaires concernent entre 3 et 8% de la population, un vrai marché. Le concept a été de dire il faut trouver un lieu où on peut recréer une véritable mixité sociale, où les gens peuvent à nouveau remanger normalement et les gens qui les accompagnent ne voient pas de différence dans l'alimentation. Christine est elle-même issue d'une famille d'allergiques, alors elle sait à quel point il peut être risqué de sortir au restaurant dans ce cas-là. Nous, ça nous est arrivé quand même 2-3 fois de se retrouver aux urgences parce qu'on nous avait annoncé qu'un ingrédient ne faisait pas partie du plat. Et qu'en réalité, il y était. Sauf que méconnaissance des serveurs. Dans ce restaurant, on a exclu totalement 11 allergènes alimentaires, tels que céréales, gluten, lait, œufs ou fruits à coque. On fabrique un pain spécial, mais tout ça n'empêche pas de sélectionner aussi des produits frais de saison. Très bonne idée, parce que sinon c'est très très compliqué de déjeuner au restaurant. Parce que sinon, je reste toujours à juste boire un thé. Ici, le menu complet est proposé à 22 euros.